Si certains policiers, une minorité agissante, ont manqué à leur devoir, le devoir des responsables de la République, c'est de frapper et de faire respecter l'autorité de l'État. 8 juin 1983, le président de la République, François Mitterrand, attaque frontalement la police. Mais pourquoi autant de fermeté en direct à la télévision ? On rembobine les faits. Retour 9 jours plus tôt, le 31 mai 1983. Ce jour-là, deux policiers sont tués lors d'une fusillade, avenue Trudaine à Paris. Émile Gondry et Claude Cayola. Une brigade en civil de lutte contre le cambriolage effectue une ronde dans le quartier. 4 gardiens de la paix, 3 hommes, 1 femme. Ils repèrent 3 hommes et 1 femme également chargés de gros sacs de plastique et qui s'affairent entre une porte cochère et une voiture. Intrigués par ce manège suspect, les policiers demandent leur papier d'identité à 2 des individus. Ceux-ci ouvrent le feu immédiatement. Le brigadier est tué, un gardien blessé. En fuyant, les malfaiteurs tuent un second gardien de la paix. Ce fait divers va vite prendre une dimension très politique. Pour le contexte, nous sommes 2 ans après l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui a aboli dans la foulée la peine de mort. Les opposants de la majorité et certains syndicats de police dénoncent à l'époque le laxisme de la justice. Nos 2 collègues décédés que vous venez de voir, tués, assassinés, bien c'est l'échec de la politique de la criminalité en France. Avant d'avoir une politique claire et bien définie de la sécurité, on commence par s'apitoyer sur le sort des détenus. Le fait divers fait les gros titres de la presse et la droite attaque. À l'image de Jacques Chirac, alors maire de Paris qui met publiquement en cause le gouvernement. Robert Badinter, ministre de la Justice, lui répond sèchement. On a mis en cause la justice française trop facilement et trop aisément ces derniers jours. Et cela, je ne l'accepterai pas. Et je marque aussi, pour faire savoir que tu parles de termes de laxisme, on dit n'importe quoi et des mensonges, je marque aussi que depuis que je suis garde des Sceaux, il n'y a jamais eu de libération conditionnelle ou de mesure de grâce pour l'auteur d'un meurtre, d'une tentative de meurtre commis contre un policier. Le 3 juin, la situation bascule. Une cérémonie en hommage aux 2 policiers est organisée à la préfecture de police de Paris. À la sortie du cortège funèbre, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, est chahuté. Démission ! Démission ! Démission ! Quelques minutes plus tard, le cortège gonflé à bloc prend la direction de la place Vendôme pour manifester sous les fenêtres du ministère de la Justice. Au cri des Badinter assassins, le rassemblement dégénère. Au milieu, Jean-Marie Le Pen du Front National, bousculade avec un faible cordon de garde mobile. On frise l'incident. Mais la manifestation déborde et prend le chemin du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Aujourd'hui, curieusement, les CRS ne s'opposent pas vraiment à cette manifestation, la plus importante de policiers depuis 1979. C'en est trop pour l'exécutif qui dénonce des troubles à l'ordre public. Le directeur général de la police nationale est limogé. Le préfet de police de Paris démissionne. Des policiers et responsables syndicaux sont sanctionnés. Les commissaires présents sur le terrain, messieurs Loyez et Kerrien, n'auraient pas donné l'ordre d'employer la force pour empêcher les manifestants de parvenir jusqu'au ministère de l'Intérieur. Les barrages ont cédé, ils sont sanctionnés. Devant le ministère, les CRS de la 7e compagnie avaient sympathisé avec les manifestants. Les responsables sont suspendus. Du côté syndical, Rémi Alvax, organisateur de la manifestation spontanée entre guillemets de vendredi matin, au cours de laquelle on a pu entendre crier Badinter assassin ou Defferre démission, est révoqué de son poste de gardien de la paix. 4000 fonctionnaires ont participé à une marche, à un rassemblement, et je suis le seul sanctionné. Donc, ma réaction, je suis sanctionné politique, tout simplement. Le lendemain, François Mitterrand prend la parole pour dénoncer des événements qu'il qualifie de séditieux. C'est à moi de décider ce qu'il convient de décider, et non pas à ceux qui veulent se substituer au pouvoir en criant dans la rue. Cette réponse implique que mes responsabilités, je les assume moi-même et je me considère comme le premier responsable des affaires publiques. Quant au meurtrier des 2 policiers, on apprendra plus tard qu'ils étaient membres du groupuscule d'extrême gauche Action Directe. Régis Schleicher sera condamné en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité. Son complice, Nicolas Alphen, à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs.